Mes parents m'avaient prévenu, c'est une responsabilité. Il va falloir bien entendu t'en occuper. C'est sûr qu'au premier abord, cet animal est étrange. On sait pas bien comment ça dort, on sait pas vraiment ce que ça mange. D'où vient-il? On n'en sait trop rien. Le veto va pousser des cris devant cette espèce de saurien mi-chauve-souris. Faudra-t-il le faire tatouer et lui acheter tout l'attirail? Une litière, un panier, trouver un collier à sa taille? Un dragon, c'est magique, sur un donjon, c'est authentique. Un dragon, c'est magique, mais dans la maison, c'est pas pratique. Nous avions depuis quelque temps une mygale, un perroquet. Comme dit bien souvent ma maman, là, c'est le bouquet. Même si ça peut parfois faire peur, un dragon, franchement, ça vaut le coup. Pour faire détaler les voleurs ou pour allumer le barbecue. Et nous forçons souvent là-haut l'admiration de nos voisins quand on s'envole sur son dos acheter du pain. Dans un barnum à faire frémir, on sème le chaos en plein ciel. Parfois, on s'amuse à rôtir quatre moineaux, deux hirondelles. Un dragon, c'est magique, sur un donjon, c'est fantastique. Un dragon, c'est magique, mais dans la maison, c'est pas pratique. Le soir, il casse la croûte avec nous. Il n'est pas regardant, il mange de tout. Un reste de gratin, une tartine de chocolat. Mais son plat favori, c'est le chevalier en armure sauveur de princesse Melba. Quand on lui lance un morceau de bois, il court le chercher ventre à terre. Mais nous ramène deux fois sur trois un lampadaire. Quand je le gratouille derrière l'oreille, ça le fait parfois ronronner. Il fait le bruit d'un vieux tracteur qui n'arrive pas à démarrer. Hier soir, pris du quinte de tout, il nous a causé bien du dégât en transformant notre matou en samosa. Un jour à la porte on sonnait de témoins de Jéhovah. Il a voulu les faire rentrer. Je crois qu'on les reverra pas. Un dragon, c'est magique, sur un donjon, c'est magnifique. Un dragon, c'est magique, mais dans la maison, c'est pas pratique. Un dragon, c'est magique, sur un donjon, c'est fantastique. Un dragon, c'est magique, oui, mais dans la maison, c'est pas pratique.